Initiating system 1. System 1 loaded. Hoyo, c'est Gunshow le Famous Team. Aujourd'hui, je suis sur Rust, un petit lagounet. Peut-être que voilà, je baisse ma configuration peut-être pour le jeu, mais comment dire, il y a le menu F2 qui est abonné absent. Donc on fera 100. J'essaie de me faire un... Est-ce que je peux me faire ça? Je peux me faire une arme? Ouais, on va faire ça. Hop. 1 minute 28, ok. C'est pas assez long. Donc voilà, je vais commencer par ce truc. Donc là, je vais faire du coup 81-82. Donc c'est parti. Alors, je prends un arbuste dans la gueule. Ok. On va aller tout droit, tout droit. Hep, 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 hep. On va casser ça. Chouette. Est-ce que j'ai eu un truc intéressant dans ça? Apparemment, j'ai eu un stupide machin. On va récupérer ça. Donc voilà, on va commencer alors avec Marino. Il travaille sur une modification de l'arc. Il y a la localité de la visée pour les dommages. Oh mon petit cochon. Et le plaisir. Une bonne nouvelle. La tourelle automatique est arrivée. Donc en gros, faites au 82. Hein. Au 82. Mais bon, c'est fun. Donc voilà. Alors, Gary, il a taffé sur la demande. Par quoi il voulait qu'on commence, enfin qu'il commence quoi, du moins, plutôt pour travailler dessus quoi. Donc il a un petit truc pour voter. Donc voilà, et après il parlait des corrections de bugs et optimisations. Et il a mis le vote quoi. Voilà. Et il a ouvert. Il évoque aussi la perte de mémoire pour le jeu. Donc, voilà. André parle du collider dorsage PSP. Donc après je sais pas ce que c'est, donc je vous mettrai comme d'hab dans le lien. Parce que je vois pas de quoi il parle. Aussi il parle du bâtiment collider revision. Non, comme ça je crois. Révision ou revision, je sais pas. Je vais pas trop capter aussi. Il a aussi amélioré le sonore, donc c'est pas mal. Et rajouter le pré-traitement, préfab et autres. Donc, voilà. Et autres après, c'est. Vous verrez. Donc voilà, Diogo a optimisé le taf du 80 sur l'eau. Donc ne me demandez pas qu'est-ce que je voulais dire par là. Ah oui, c'est le 80, ouais, c'est UTF 80, voilà. Ah, Fireplay. Donc voilà. Vince, il a redéco l'armoire. Donc en gros, elle a une autre déclomanie. Enfin, je sais pas, normalement un truc comme ça, je crois, si j'ai bien compris. Vous savez, trad Google. Hein. Des fois ça marche, des fois ça marche pas. Je suis pas très bon en anglais, donc ça arrange pas les choses. Donc voilà. Aussi, il a taffé Vince sur différents aspects de la tourelle. Donc en gros, il y a d'autres types de tourelles qui pourraient arriver. Guzman a fini le taf sur les lasers silencieux et lampes de poche. Donc voilà, ça fait sourire. Alex Reberg, il est toujours sur le son, donc normal c'est son taf. Il est toujours à travailler dessus. Tom a fini de texturer la K47 et taf sur Lolo, le holo de fortune. Donc voilà, c'est pas mal. Oui, il travaille sur le sous-sol militaire là, enfin les tunnels quoi là. Les tunnels qui est vraiment intéressant. Et travaille sur les costumes
Nation des portes. Donc ça peut être pas mal aussi ça. Scott ajoute d'autres autocollants, voilà, pour le sang et autres. Ce sang me fait stresser à chaque fois. C'est pas comme s'il y avait une grosse bestiole ou un gros ours. Ouais, bref, je m'emballe un peu. Donc voilà, Taylor taffe sur les modifs du personnage homme. Donc voilà, il continue toujours à travailler dessus. En fait, il le resculpte, en fait, pour l'adapter, enfin pour changer, pour le modeler, quoi. À d'autres personnages, pour toujours pas se ressembler, toujours la même gueule, quoi. Et la taille, le poids, enfin bref, tout sur tout ça. Et donc voilà pour le 80, on va s'enchaîner aller sur le 82. Donc voilà. Alors Gary, en fait, comme je disais, il a désactivé le F2. Donc en fait, il est en train de travailler dessus. Donc je pense qu'il reviendra prochainement. Il aussi travaille sur la performance et a fait un sondage. Donc voilà, comme d'hab, il fait des sondages. Et pas cool ça. Ah oui, je ne sais pas qu'est-ce qui t'est arrivé et je veux pas savoir. Je veux être très loin aussi. Peut-être bouger, hein, parce que un petit lagounet. J'étais un petit peu trop AFK et le truc qui m'a un peu zappé. Donc normalement, j'ai ma petite lance. Je sais pas pourquoi j'ai des bugs comme ça. Parce qu'en fait, ouais, c'est F2, normalement, là, et en fait, de base, tout est à fond. Donc, après, il y a des choses que je désactive qui font un peu ramer. Donc, là, je suis à 38, 33 FPS quand je joue. Et quand je joue pas, en fait, ça met un truc, ça fait un bug, quoi. Un gros bug. Donc voilà, en plus j'ai mon truc de sauvegarde, enfin pour enregistrer, qui prend peut-être de la ressource. Donc voilà. André a continué sur le bâtiment collédaire revisé, reviseur ou je sais pas quoi. Bref, il apparaît sur ça. Et taf sur le préfab pré-traitement. Warm-up. Comme ça. Ouais, je crois que c'est ça, ouais, c'est warm-up. Et un tas de corrections, et voilà. Bon, comme d'hab, quoi. En fait, c'est. Vous savez ce que je vais dire, donc voilà. Vince, il a. Non, non, avant. Avant, il y a plutôt. Non, il y a Diego, ouais. Il taffe sur l'eau et il peaufine. Voilà, donc. Il a donné une solution aussi sur. Pour les. Sur les performances, quoi. Alors, Vince Halloween. Et là, XD, bref, des citrouilles. Et taf sur les personnalisations des murs. Donc, en gros, on pourra mettre des murs comme d'une couleur prédéfinie. Ça va être pas mal. Ça change la chose. Guzman travaille sur le M249. Donc, voilà, c'est du lourd! Du lourd! Mon dent, je m'emballe un peu là. Alors après, Howie travaille sur les tunnels militaires, en gros il est toujours dessus. Xavier taffe sur les habits en générique, enfin non, plutôt en générique, voilà, je l'ai dit. Taylor a vraiment avancé sur le niveau nouveau personnage homme. Donc en gros voilà, il améliore. Alex Reberg taffe sur les sons comme d'hab, quoi. Il fait toujours ça. Scott travaille sur les impacts des explosifs sur le sol. Les empreintes les empreintes sur le sol. Donc voilà. Paul travaille sur une sorte de M1-M14 de la Deuxième Guerre mondiale, je sais pas si vous voyez à quoi ça ressemble, et a commencé à travailler sur les drones et caméras et les PNJ. Donc voilà. Donc voilà pour le 80 à 82, ils ont eu un problème pour les mages, donc c'était. Non, c'était le 15, mais non, c'est passé au 16. Donc bref, il y a eu la mage. Donc je ferai la mage qui se passera entre pour le 83 et 84. Bon, enfin quand il y aura la mage quoi. Donc je vous dis à plus tard pour une autre vidéo. C'était Gunshow de la Famous Team.